Le 1er mai est la fête mondiale du travailleur qui a pu arracher de hautes luttes au patronat des acquis sociaux qui ont été consacrés par des conventions internationales et par des législations nationales. Hassan Rassimi, bonjour. Bonjour, monsieur Hakim. Sur le plan international, les crises économiques successives et la remise en cause du caractère social de l'État ont malheureusement permis à des courants politiques libéraux de remettre en cause graduellement la protection sociale du travailleur au nom du gain et du profit la garantie d'un travail à durée indéterminée a été aussi remis en cause la prise en charge sociale du travail et son pouvoir d'achat ont été aussi gravement remis en cause on ne peut célébrer en algérie la fête du travail sans rendre hommage à l'union générale des travailleurs algériens dont l'existence et l'histoire sont associées au mouvement de libération nationale son fondateur Aïssa dire membre du Conseil national de la révolution algérienne, a voué toute sa vie à la mobilisation des travailleurs algériens, des cheminots, des postiers, des dockers, notamment le reste des secteurs, jusqu'à son assassinat par les hordes nazis de l'armée coloniale française de Bijar et de Massu. Le caractère social de l'État algérien tire sa substance de la déclaration du 1er novembre 1954. Ce principe a toujours été le pivot des politiques publiques des gouvernants. Il est nécessaire de rappeler, malheureusement, ce triste épisode de la décennie 90, où l'existence de l'État algérien et la sécurité du monde du travail ont été gravement menacées suite à des politiques aventureuses qui ont engagé le processus de démantèlement de l'État algérien. Et il y a aussi, Hassan Kassemi, ce plan d'ajustement structurel imposé à l'Algérie par le FMI en avril 1994. Il <coughs> a été l'occasion de remettre en cause les acquis sociaux des travailleurs qui ont subi de plein fouet une politique économique brutale de l'emploi par des licenciements massifs et par le bradage de nos entreprises publiques économiques. Dieu soit loué, le monde du travail aujourd'hui rend hommage au président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a initié des réformes structurelles et économiques notamment la révision du cadre juridique de l'investissement privé qui a permis de booster et d'encourager l'investissement. L'amendement de la Constitution en 2020 a permis de limiter à deux mandats le mandat du président de la République pour mettre un terme aux errances du passé. L'introduction de la parité homme-femme est aussi une mesure forte et courageuse. Toutes ces réformes du président de la République ont été initiées grâce à, action, à son action. Pour consolider le front intérieur et permettre à l'Algérie de renforcer sa résilience pour faire face aux défis du présent et du futur. L'emploi a été encouragé par des mesures fiscales réduisant la charge de l'impôt. Des autorisations exceptionnelles d'exploitation ont été délivrées à des centaines d'entreprises privées, sauvant ainsi un patrimoine et des investissements consentis à milliards de dollars. Tous les secteurs ont été concernés par des mesures fortes, courageuses. Devant lever tous les obstacles juridiques et bureaucratiques, notamment la numérisation des procédures administratives, devant réduire les marges de manœuvre d'agents indélicats, quand résister et manœuvrer pour que le maquis de la bureaucratie ne soit pas démantelé. L'environnement du climat des affaires a été aussi amélioré par de nombreuses mesures à caractère législatif en vue de nous rendre nos territoires attractifs et concurrentiels. Et dans une conjoncture mondiale marquée par l'austérité, la réduction des dépenses publiques, beaucoup de gouvernements ont dû un peu fermer les vannes des dépenses publiques. Hassan Kassimi, eh bien, oui. le président de la République a pris des mesures historiques en faveur des travailleurs. Effectivement. Il faut avant tout souligner, c'est important, les conditions récessionnistes mondiales ayant caractérisé les quatre dernières années et qui rendaient très difficiles des transferts sociaux budgétaires. C'est dans ces conditions économiques mondiales négatives que les acquis sociaux des travailleurs algériens ont été protégés et renforcés. On peut citer quelques indicateurs mesurables qui nous permettent d'évaluer la portée sociale de ces mesures. D'abord, la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite, l'exonération des bas salaires de l'IRG, la revalorisation des salaires et des pensions de retraite l'instauration de la prime de chômage, le renforcement de la gratuité de l'enseignement et des soins médicaux, la délivrance de la carte chifa aux personnes sans emploi, la prise en charge gratuite des maladies chroniques des populations fragiles ou en détresse, la réduction de l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat du travailleur et des populations et une croissance poussée vers le haut et aussi une augmentation importante du PIB. Toutes ces décisions ont été prises par le président de la République ont permis d'améliorer le confort des populations algériennes et de soutenir les coûts sociaux les plus défavorisés, de restaurer l'autorité de l'État, de restaurer les équilibres budgétaires et de renforcer la sécurité et la stabilité de nos territoires.